depuis 2001-2002 pour nous te permettre pays ça te retourner prend escamp figil parce que nous dit Haïti te suspend pays depuis là on prend décision pour écraser la mille depuis on caille pas gain mille pas gain barrière tout le monde rentre là-dedans il fait ça vous voulez ça vient bail nous te gain la meti couteau la meti manchette la meti badad la meti garavine la meti ceci la meti cela la meti l'autre bord. Yo l'autre fois encore nous baisser nous bien bas devant la mort assassinat criminel policier nous victime dans grand ravine encore en bas coup de zam assassin en bas coup de zam bandi la police pas recevoir formation pour aller dans la gag bandi qui gagne gros zam si tu gagne l'armée c'est job l'armée que police a tap jouer là et les policiers ont mouri famille ont perdu pour détruire. Nous quel te lèl te nécessaire te temps pour que la police dépasse par les événements pour te gen l'armée qui prend charge. Eh bien jodi a 14 novembre nous dit merci à président Jovenel Moïse d'abord président Martelly qui te déjà prend décret 26 octobre 2015 là pour te permettre. Il a annulé le décret chimérique bandit Aristide Debran, qui te mettait l'armée en difficulté, et qui permet, jodi après 20 ans, maman, papa, petit, tout ça n'a disparaître parce que c'est bandit qui t'a fait la loi. Merci, président Jovenel, dans le cadre de continuité, président Martelly. Jodi a annoncé, ou prend charge, et vous montre conviction, détermination pour mettre le pays sur rail. Parce que pas aucun investisseur étranger qui t'a bien investi un goût dans Haïti, tout autant yo te wè pays a pas de l'armée là-dedans. Je dis à vous annoncer, vous prenez décision pour venir acclamer le 18 novembre. Eh bien, nous-mêmes, comme citoyens, militants politiques, qui t'a bataille, nous disons merci parce que vous permettez nous créer une victoire. Nous disons merci et nous demandons peuple haïtien. 18 novembre, c'est pour adversaire saisi. L'Eloué, c'est tout pays qui débarquait au Cap Haïtien. Kaldi, président Jovenel, merci et Kaldi, bon retour à l'armée d'Haïti. Cap Haïtien, adversaire, nan qui t'a fait cob dans l'insécurité, yo pas d'intérêt pour faire promotion pour gagner l'armée. Yon nèg ki gen mog, pa kap bay, pa kap fè promotion l'hôpital. Parce que si moun pa mouri, il pa fè l'argent. Yon nèg ki gen compagnie sécurité, pa ka gen intérêt nan stabilité, nan sécurité. Et c'est ça qu'faut attendre gon série d'officiers supérieurs à combattre de manche. Président Marte, Jovenel Moïse nan rétabli l'armée. Mais moun ki gen intérêt, ces jeunes femmes et jeunes garçons ça yo qui pral gagner pour prendre formation qui pral gagner côté l'armée après servir un instrument qui pour combattre chômage c'est moun ça gagne intérêt. Eh bien président moi même moi dis merci nous mandé vetier pep au cap pep nano pep plateau central nous porter coller vinn joindre président Jovenel parce que m'a dit nous yo dit nous l'armée ça c'est l'armée Zinglendo. Nous ne pouvons pas gagner l'armée Zinglendo. Nous ne pouvons pas gagner l'armée Zinglendo parce que l'armée fait 20 ans dehors, dans la misère, dans la tribulation. Nous ne pouvons jamais gagner nos militaires dans Zinglendo. Ça veut dire, militaires acceptent manger pas patate, l'acceptent râler bourrette, l'acceptent faire tout vieux job, mais pour ne pas rentrer dans Zinglendo. Ça veut dire, nous ne pouvons pas gagner l'armée Zinglendo, mais c'est la valasse qui a infiltré l'armée qui fait gagner Zinglendo dans ce truc-là. Et je dis à eux, cementer. Ça n'a pas reproduit encore. Deuxièmement, l'armée à l'époque a joué rôle police et militaire. Je dis à l'armée, ça n'a pas joué rôle la police. L'armée, ça n'a pas joué rôle militaire. La démission pâle, la police a démission pâle. Seul monde qui est capable de demander l'armée à pour dans la rue, c'est le président de la République. Oui. Eh bien, c'est peut-être samedi, président Jovenel. Attention, combat va entreprendre là, pas pitié. Son général, oui. Fais appel à troupes. Yeah. Mettez troupes pour bon côté. Yeah. Parce qu'on prend besoin de troupes qui pourraient aller dans la guerre. Yeah. Et lui, on prend le fâché.
yo pral derrière attaquer yo. Ou pas ka descendre comme général à drapeau al goumen. C'est soldat yo pou voye al goumen. Et c'est nous même militants politiques qui ke terrain dans pays a qui dit que pas pral Chili, pas pral Saint-Domingue, pas pral Brésil qui doit camper pour permettre pays ça prendre rail développement. Et bien c'est pour ça matin hein, nous bay conférence pour nous dire d'abord la presse ou c'est sel nan manje a. Ou jouons rôle important dans la bataille, dans la victoire. Ça. Parce que si nous sommes en bois, dans la cachette, côté de la palais, nous ne pouvons pas attendre. Mais la presse joue un rôle prépondérant, je dis, pour que la victoire ça, nous fête le 18 novembre. Nous disons encore, non, non, tout militaire, moi-même en tant que conseiller politique, parce que nous te dis, ZAM pas fait. Si ZAM nous prend, la fait mon courir pour nous. On nous regroupe peut-être dans l'association, il y a bad micro et puis n'a pas avancé sur yo. Jodi on avancé sur yo, nous presque gagné yo. 18 novembre, c'est pour nous monter au cap pacifiquement en civil pour nous recevoir président dans décision d'état. Moi bien dit. Décision le 18 novembre là, c'est une décision d'état qui va avoir des conséquences politiques. Nous mêmes militants politiques GNB qui habitué goumé, c'est pour nous parer. Pour nous faire face carré avec et ça relait subversion ça relait manœuvre politicien politicienne pour l'entreprendre pour montrer que décision président Jovenel là c'est une décision erronée. Nous dit non, c'est une décision d'état et décision ça prend des conséquences sur l'avenir pays. Deuxième point que nous besoin aborder, c'est point côté un paquet organisation de défense des droits humains entre guillemets. Nous tentons de attaquer Oknam Klame Damaris, commissaire gouvernement. Moi, je connais Oknam depuis l'ELTE, substitut commissaire du gouvernement sous Jean-Bertrand Aristide. Aristide baille Oknam yon liste moun pour l'arrêter et jeter dans prison. Oknam sauvé, quitte paquet à 2h du matin. Il dit non, il va prêter dans violation de droit moun. Et laisse à toute organisation de droits humains, ça a été applaudi Oknam dans la décision ça lorsqu'elle était substitut commissaire gouvernement. Oknam a fait 20 ans de carrière. C'est un substitut, c'est un commissaire gouvernement que je connais, qui était techniquement compétent et qui techniquement compétent. Nous avons des gens qui ont attaqué parce qu'ils demandent Pierre Espérance, pour Pierre Espérance communiquer le statut, fonctionnement RNDDH. Qui est normal, son commissaire gouvernement. Monsieur a des déclarations à faire. Nous avons tous nos droits humains, nous connaissons. Statut RNDDH ne pas permettre. Que Pierre Espérance prend l'argent dans l'État parce qu'elle n'a pas combattu l'État dans la question de violation des droits humains. Voilà. Eh bien, nous ne pouvons pas prendre l'argent dans la cachette. Eh bien, il dit communiquer mon statut pour me dire est-ce qu'il y a un amendement qui fait en dedans. Ce n'est pas un amendement qui fait en dedans statut organisation RNDDH que Pierre Espérance a dirigé. Pierre Espérance tombe dans la corruption. S'il tombe dans la corruption, il ne vient pas de qualité morale pour la défendre de l'homme. Il vient faire partie de l'autre corrompu. Et pour qui ça, je dis à tout le monde n'a pas attaqué Oknam. Il n'a pas intimidé Oknam comme commissaire gouvernement pas fait. Moi-même, je suis commissaire gouvernement, matin, il convoque dans le paquet. Il dit pour me venir, je n'ai pas besoin de connaître ça, le reprocher. Je prends avocat, un bon citoyen, je réponds à une question commissaire. Parce que la démocratie, c'est la dictature des lois. Oui. C'est bon, un homme tout puissant, qui a capté l'ambassade américaine et qui a marché, déstabiliser l'institution de pays. C'est pas un chef, c'est pas un froid. Mais c'est moun qui coube devant la loi. C'est moun qui prend la loi comme boussole. Yeah. Et puis moun ça, c'est moun ça. Ouais. Ma question, directeur EPTA, maintenant, ben professeur qui me connaît, de vieille date, bon bagay qui passe la Kaili, lui dit qu'il y a un groupe bandit qui débarque la Kaili, qui tire 500 balles d'Alil sous Kaili. 500 balles! Et après, moi, ouais, à qui moun la voyager, moi, ouais, c'est avec. Comment il est là? Nom ça que tu es candidat, Jude Célestin, il a pris la bataille, il a fait bataille politique. Maintenant, je me dis, le commissaire gouvernement doit mettre enquête sous pied pour connaître comment un homme fait entrer un homme qui a servi l'État pour tirer 500 balles sous Kali alors que l'État dans le pays. Parce que ici, je m'habitue à diversion politique. Donc, tout ça n'est qu'à faire, nous demander. Nous ne pouvons pas fragiliser un directeur comme ça. Eh bien, nous avons un commissaire Oknam Klame Damaris, puisque la bataille nous est pour faire politique, pour que nous ayons une commission d'enquête. Si pas qu'il n'y a pas qu'à faire, que nous mettons une commission indépendante, pour que la lumière qui fait sous l'action ça. Là, c'est nous qui connaissons les bandits qui veulent tuer le monde.
même les cas où fait en miroir des anges ici. Depuis que la vle tuyo, l'entre la caillou tuyo. Pour nous camper, il fait 500 balles sous caillou. Et puis il crève une machine, machine l'État. L'autre machine privée pas frappé. Et puis, et tout tolé ça, et organisation internationale a fait lobby. Et bien nous dit, nous besoin connaître qui moun qui profite de crime. Ok? Qui est-ce qui voulait jouir de ça? Et c'est la justice maintenant, dans le jugement, dans la poursuite pénale qui peut le faire, nous besoin connaître qui est-ce moun qui a tiré sous caille Nobel Profil, parce que nous dit, il n'est pas normal, voilà qu'elle se dit dans le même gouvernement, et puis il dit ce gouvernement qui va tirer sous lui. Mais il faut que la lumière qui fait. Tout bagaille pas capable passer ici en quel poisson. Il faut que le détail qui fait. Dernier point pour me finir, c'est pour Petro-Caribéa. Moi, je dis, sénateur, yo, yo méchant. Très criminel. Parce que sénateur, pas vle, nous jouons des gens qui participent dans le détournement, dans le gaspillage de l'argent Petro-Caribéa. Et c'est peut-être ça, vous prenez devant, vous courez à mettre la commission sous pied. Commission sénatoriale n'a pas de qualité ni moralité pour mener une enquête pour moun konnen véritablement qui est ce qui volait comme Petro-Caribéa. Parce que comme Petro-Caribéa, nèg nan parlé nan kòb la. Nèg nan parlement nan kòb la. Eh bien, nèg nan parlé nan parlement, pas qu'à mettre commission d'enquête sous pied. Si yon de bonne foi, palais et parlement va faire mettre sous pied une commission d'audit indépendant. Qui sorti, prend moun qui sort à l'étranger, prend journaliste indépendant, nous moutons commission indépendant et bayo accès à pouvoir pour y entrer dans tous les détails. Et rapport qu'on y a commission, ça pral produit son commission audit indépendant, li pral remettre li à l'appréciation parlement pour garder ce qui côté gefay et laisse ça, même yo même, si gefay quelque côté, y a capable justifier même moun qui te met obstacle, mais. Nous n'avons pas pris Petro-Caribe dans BNPAD. Li voye al monte usine lettre pour le Canada, la fè l'argent. Nous n'avons pas pris kob la l'investi dans l'immobilier hôtel. Jodi a se yon même qui nan commission d'enquête sous Petro-Caribe. Yon pral produit rapport. Eh bien, ou kon sa ou fè la? Mafia yon antenyo. Ou kon gaman yon antenyo la? Le yon rive nan tribunal, yon pral établi incompatibilité gen nan rapport. Yo pral établi lit de conflit d'intérêt qui gagne de rapport sous fay sa yo pral interrompre rapport et puis nous pas joindre moun qui volait comme Petro-Caribéa et puis il pral passer dans scandale public volait faut nous clair que nèg yo manger cob là que l'argent Petro-Caribéa parlement mettait en terme à lui-même débat fini tout ça qui pral fait dans parlement dans rapport toutes ces manigettes pour empêcher nous regain lumière gain la vérité. Authenticité rapport, qualité force rapport à ta doué guerre, moun qui n'a tête rapport, pas éthique, ni qualité, ni moralité pour mener une enquête pour la population ta vin apprécier. Kou yo paré pour nous, c'est au coup dit tout le monde, pays, kou yo paré pour nous dans le rapport Petro-Caribéa. C'est dans le tribunal nous pral prendre, c'est pas là. N'importe avocat stagiaire pral démouter rapport et yo pral gagner gain de cause. Et puis il pral fini même j'ai un rapport Paul Denis dans poubelle l'histoire. Ça veut dire jodi a bataille nous pral mener là, c'est pour petit bataille petit. Nous prenons un parce que moun k'ap parler plus fort yo. Moun k'ap parler fort yo, c'est de moun yo qui impliqué yo même directement dans la corruption et qui fait toute manœuvre possible pour pas jamais gagner lumière qui fait parce que nèg qui pour t'interpeller ministre, nèg qui pour transformer tribunal là en haut cour de justice là, dans cob là, il prend 70%. Ministre prend 30%. Il est difficile pour constituer la haute cour de justice pour un procès qui fait contre la corruption. Pas jamais de bataille corruption en Haïti, tout autant citoyen yo nous pas créer une autre stratégie pour permettre que on va dire amendement constitution, nèg yo pas amendé constitution, yo pas retirer ministre Miner parce que moi quoi je dis pour nous gommer contre la corruption. De pour ministre participer dans la corruption, dans direct aucun bon monde dans la corruption, dans détournement fonds publics, il pas besoin, il pas gain immunité. C'est pas la haute cour, c'est tout de suite comme crime de droit commun, mené là le prend sentence. Eh bien, monsieur, créez un moyen pour que pas jamais gain justice, seulement utiliser la presse dit à bataille contre la corruption. Eh bien, nous baillons conférence ce matin pour nous dénoncer, un, pression commissaire gouvernement, ou que la mesdames, il s'apprend pour ne pas faire travail, deux, mandé mettre sous pied commission, en commission d'enquête pour connaître ce qui passe à Nobel Profil là.
toi, nous dit sénateur ou méchant, parce qu'ils font façon pour l'agent Petro-Caribéa financer le poisson. Et en dernier lieu, nous demandons pour toute population haïtienne, qui dans quatre pays, en particulier département Nord, pour apporter tout soutien, tout appui, par le président Jovenel Moïse, dans la décision d'État qu'elle prend pour le prendre le 18 novembre, Cap Vinila. Merci un peu.